Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire une recette de ketchup maison. Vous verrez, c'est vraiment très simple à réaliser. Et comme on n'est pas dans la saison des tomates, je vais utiliser de la pulpe de tomate en conserve. Mais vous pouvez très bien utiliser de la tomate fraîche en été. Ce ketchup maison que je réutiliserai dans ma vidéo de samedi, un burger végé à la galette de lentilles. Eh bien, je vous laisse tout de suite avec la recette et on se retrouve après. Pour cette recette, il va te falloir une gousse d'ail, 400 g de pulpe de tomate, 2 cuillères à soupe de miel, un oignon, 5 cl de vinaigre de balsamique, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Tu commences par ciseler finement l'oignon, puis tu coupes en petits morceaux l'ail, tu fais chauffer de l'huile d'olive et tu rajoutes l'oignon que tu fais revenir 5 minutes. Ensuite, tu rajoutes la pulpe de tomate, le miel, le vinaigre de balsamique, l'ail et on n'oublie pas de saler et poivrer. Je laisse mijoter le tout à feu doux 10 minutes. Tu mixes et tu laisses refroidir. Et c'est terminé. Voilà, cette recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à partager, à liker, à en parler autour de toi. Je suis en live tous les jours sauf le lundi sur Instagram et sur Facebook. Et bien, je vous fais des gros bisous et on se retrouve samedi pour une recette de burger végé. Pourquoi il y a quelqu'un là ? N'importe quoi.